8, 9, 10, 11. Bonjour. Je fais des pompages, I'm doing push-ups, et c'est très difficile, it's really hard. Avec une seule main, only with one hand. 12, 10, 13. Sans les mains, without my hands? Ok, regarde, look at this. What do you mean I'm cheating? I'm not cheating. Maybe a little bit. Ok, on commence la gym. Shall we start the gym? On y va! Aujourd'hui c'est mardi, alors aujourd'hui c'est la gym. On commence avec le premier étirement de First Stretch qui s'appelle l'étirement du gorille. Gorille. Does that sound familiar to you? Gorille? Alors, un gorille, c'est un type de singe. Do you remember what singe means? Singe means monkey. Singe means monkey. Un gorille, c'est un gros singe. It is a big monkey. Est-ce que tu devines maintenant? Do you guess now? Eh oui, gorille means gorilla. Do I pronounce it right? Gorilla? Anyway, gorille. Tu te mets comme ça. Tu écartes tes jambes. Put your legs apart. Tu prends tes poings. Point means fist. Tu prends tes poings et tu tapes sur ta poitrine. You hit your chest. Et quand tu as fini de faire ça, when you're done doing this, tu t'abaisses et tu tapes le sol. You hit the floor. Comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Moi, j'aime beaucoup les gorilles. I really like gorilles. Gorillas. Gorillas. Even if I think it's a hard word to say in English. Le deuxième étirement, the second stretch, c'est l'étirement du saut du lapin. There's already a word that you know in there. So, saut du lapin. So that means jumping with bread. Okay, excuse-moi. Saut du lapin, it means the bunny jump. Hey, okay, wait, stop. Hey, calme-toi, calme-toi. Hey, calm down. Pour faire le saut du lapin. To do the bunny jump. Regarde ça. Look at this. Tu te mets sur tes mains avec tes jambes comme ça et attention, tu fais des petits sauts. You do little jumps. Comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Sans perdre ton chapeau. Without losing your hat. Wow, je suis essoufflé. I'm out of breath. Are you okay? I think I'm getting old. Je deviens vieux. Le troisième étirement, the third stretch, c'est l'étirement de la chauve-souris. Chauve-souris. Dans chauve-souris, il y a le mot souris. Souris means mouse. So do you remember what that means? Chauve-souris, that means a bat. What does that have to do with a mouse? Well, don't you think that mice and bats, they kind of look alike? Except that bats have wings. Ils ont des ailes. Ooh. Chauve-souris. Means bat. Can you repeat that word? Chauve-souris. Regarde comment je fais. I'll show you how to do it. Tu te mets comme ça. Tu te retournes. Retourne means turn around. Tu te penches en avant. Hop. Et tu mets ta tête ici. You're dangling upside down. Tu es à l'envers comme une chauve-souris. Just like a bat. And if you feel like it, you can even wave. Coucou. Je suis une chauve-souris. I am a bat. A bat with no hat. Coucou, je suis une chauve-souris. I am a bat. Donc on a fait l'étirement de trois animaux aujourd'hui. Three animals today. On a fait, please repeat after me, le gorille, le saut du lapin, the bunny jump, et la chauve-souris, the bat. Alors maintenant, on va faire quelque chose qu'on n'a plus fait depuis longtemps. We're going to do something that we haven't done in a while. C'est le mot de la semaine. The word of the week. Le mot de la semaine, c'est respirer. 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 Is that easy for you to say that word? Can you try to repeat? Respirer. Te rappelles-tu que hier, j'étais stressé, I was a little nervous, et ce que j'aurais dû faire, what I should have done, c'était respirer.
Respirer, it means to breathe. Je suis stressé, I'm a little nervous, et je ne sais pas quoi faire, I don't know what to do. Stop, il faut que j'arrête. Il faut que je respire. Je pense que Monsieur Lapin a raison. Mr. Bunny is right. Ça arrive à tout le monde d'être stressé. Everybody gets stressed sometimes. Ça m'arrive souvent. Probably it happens to you. Ça arrive à tes parents. It happens to your parents. Et c'est pas grave. That's okay. All you have to do is to stop for 1 minute et respirer. Tu t'arrêtes 1 minute et tu respires. Regarde, look at this. Ça marche encore mieux si tu vas dehors. It works even better if you go outside. Dehors, outside. Regarde. Regarde, je vais simplement m'asseoir et respirer pendant 10 secondes. Only 10 seconds. Donc pendant 10 secondes, je ne fais rien. I don't do anything. Je fais que respirer et écouter and listen. On va se taire. We're going to be quiet. On va fermer les yeux. We're going to close our eyes. Et on va juste respirer par le nez. We're just going to breathe through our nose. Regarde. On ferme les yeux. You close your eyes. Et c'est parti. Hey oh, est-ce que tu es toujours là? Are you still here? T'as vu? Ça marche. It works. It really calms you down. Maintenant, je suis très calme. I'm very calm. I'm not nervous anymore. Tu peux essayer ça à la maison. You can try this at home. N'oublie pas de t'arrêter et de respirer. Don't forget to stop and to breathe. Respirer means to breathe. That is my favorite magic trick to stop being afraid. C'est mon tour de magie préféré pour ne plus avoir peur. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. We're done for today. N'oublie pas de bien respirer. Don't forget to breathe slowly and to breathe well. C'est très important. It's very important. On se voit demain pour une autre leçon. I'll see you tomorrow for another lesson. Passe une très bonne journée. Have a very nice day. À demain.